Bonjour à tous, soyez bénis. Partagez massivement. Identifiez vos frères et sœurs. Dieu bénisse, identifie 10, 20 personnes, partage, appelle un frère, une soeur, réveille quelqu'un, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille même les enfants. Clique sur le cœur, partage. Est-ce que tu peux célébrer ta victoire ce matin? Parce que tu as la victoire. Alléluia. Et regarde. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vos vies au nom puissant de Jésus. C'est avec un bonheur spécial et une joie particulière que je me retrouve encore une fois de plus ce matin avec vous pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur et crier au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne le savent pas, nous avons commencé ce programme il y a 2 jours depuis lundi passé et ça sera le cas comme ça pendant un bon moment. Et en l'espace de 2 jours, combien de personnes ne nous ont pas écrit pour dire que cela les bénit, cela leur fait beaucoup de bien. Des personnes qui n'arrivaient plus à prier seules ont recommencé à prier seules. La grâce de Dieu a commencé à se manifester dans la vie de plusieurs. Quelqu'un hier à 16h m'a appelé pour dire qu'après la prière pour détruire le conseil des méchants, Dieu s'est puissamment glorifié au niveau de sa famille. Alléluia. Son propre grand frère qui les avait convoqués en justice pour l'héritage familial a demandé qu'ils puissent
avoir une réunion ce samedi-là pour qu'ils puissent s'entendre. Non seulement lui, mais ceux-mêmes qui le montaient, pour qu'ensemble, ils puissent s'entendre et trouver une solution familiale. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Je suis convaincu que tous les conseils des méchants contre ta vie sont déjà nuls et sans effet. Et Dieu va renverser cela afin que son nom soit glorifié, afin que son nom soit béni. Alléluia. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu bon. Et plusieurs comme ça, après nos prières, vous allez voir, je vous invite. Une des paroles essentielles que Dieu m'a donné cette année, il m'a dit, dis à mon peuple d'être tout entier. Je vous encourage cette année à ne pas faire les prières à moitié, hein, à ne pas suivre Jésus à moitié, à ne pas faire les choses de Dieu à moitié. Je vous encourage, n'est-ce pas, cette année à être tout entier, tout entier. Si vous êtes tout entier avec le Seigneur, vous verrez la main de Dieu se manifester. Mets ton réveil chaque matin. Fais l'effort de te réveiller. Mets ton réveil à 4h30, 4h50 et sois dans ce moment de prière. Tu verras que Dieu va faire de grandes choses. Souvent, il ne faut pas juste faire confiance à ton sommeil. Sinon, tu vas te réveiller. T'as deux personnes me criaient. Pour me dire que c'est plus tard qu'elles ont pu prier parce qu'elles se sont réveillées beaucoup plus tard. Le sommeil est bizarre, souvent le corps peut te trahir. Donc mets un réveil pour être prêt pour ce moment de prière. Alléluia. Ce matin, j'ai voulu continuer sur la prière de détruire le conseil des méchants, mais le Seigneur m'a demandé qu'aujourd'hui on prie pour un autre sujet. Il se peut que demain ou après-demain, je revienne sur détruire le conseil des méchants parce qu'il y a plusieurs points de prière concernant ce sujet que nous n'avons pas touché. Mais le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui on doit prier pour les prières prophétiques de déblocage. C'est pourquoi si tu connais quelqu'un qui vit des blocages spirituels, des blocages sur le plan financier, des blocages dans le domaine de la santé, des blocages dans le domaine du mariage, des blocages dans je ne sais pas quel domaine de sa vie, invite cette personne à se connecter, identifie cette personne rapidement, appelle cette personne-là, dis-lui que cette prière concerne sa vie, cette prière concerne sa destinée, cette personne ne peut pas s'autoriser à manquer cette prière. Les 30 minutes de prière que nous allons avoir ce matin vont être en bénédiction pour sa vie. Alléluia. Prenez déjà vos Bibles avec moi dans le livre de Josué, Josué 6, verset 1. Seulement le verset 1. Vous connaissez toute l'histoire, mais je vais m'attarder sur le verset 1 et puis le reste, je vais expliquer ça. Appelez quelqu'un. Il y a des gens qui se connectent à 10 minutes de la fin de la prière. Il y en a d'autres qui se connectent à 20 minutes. Souvent, ils peuvent ne pas écouter l'exhortation. Or, l'exhortation est très importante. Dieu a donné comme instruction à Josué. Il lui a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Beaucoup prient mais sans méditer, alors qu'ils ne savent pas que la prière même basée sur la parole de Dieu est encore plus puissante que la prière basée sur nos désirs ou même notre imagination. Quand tu prends la parole de Dieu, tu finis de méditer d'abord. Et puis maintenant, tu t'appuies sur cette méditation-là pour commencer à prier, c'est encore plus puissant. Alléluia. Parce que le fondement de ta prière, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus priait toujours avec la parole. Il disait, il est écrit. Quand tu pries avec le il est écrit, ce n'est pas seulement tes paroles, mais tes paroles viennent se connecter à la parole de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, à cause du relâchement que tu fais à partir de la parole de Dieu, il y a une grâce exceptionnelle qui s'attache à toi, à ta vie, et qui commence à se matérialiser. C'est pourquoi il est important de méditer toujours d'abord et ensuite de prier en fonction de la méditation que tu viens de faire. Ça donne encore beaucoup plus de pertinence, de poids à ta prière. Pour vous confirmer, avant qu'on ne revienne sur Josué 6, verset 1, qui est la base de notre passage, je vous confirme cela dans le livre de Psaume. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 19. Vous allez voir que les patriarches et les prophètes de la Bible combinaient toujours la méditation à la parole de Dieu. Parce que je constate qu'en ces temps les derniers, beaucoup de chrétiens aiment prier, mais ne méditent pas. Quand j'enseignais sur les 12 écoles de la prière, l'une des écoles nous a montré que prier par la parole était puissant, était redoutable. Même si toi-même tes propres paroles n'ont pas de poids pour déloger un ennemi féroce, le simple fait de présenter la parole et que Dieu veille sur sa parole, automatiquement, aucun ennemi ne peut résister, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, et la grâce de Dieu se manifeste. Il dit quoi?
Regardez, hein? Psaume 119, verset 127. 147, pardon. Psaume 119, verset 147. Le 147 précède. Le 147 est suivi du 148. Il dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Est-ce que vous voyez? Les deux sont liés. Alors qu'il dit, il dévance pour crier. Quand il dit, je dévance l'aurore et je crie, il parle ici de la prière. Il dit, quand je crie, c'est pour espérer en tes promesses. Je me lève, je crie, parce que j'espère que ce que tu m'as promis va se réaliser. C'est pourquoi j'aimerais dire au passage, c'est pas le message de jour, mais il est bon pour quelqu'un. Quand Dieu te fait une promesse, le psaume 148, 119, pardon, verset 147 nous dit que quand Dieu te fait une promesse, on ne dort pas avec les promesses. C'est pourquoi vous allez entendre Dieu, oh Dieu m'a montré un songe, mon travail, ma promotion était établie, mais depuis là, la promotion ne vient pas. Dieu m'a montré un songe, j'ai eu le visa pour aller pour les études, ou même pour aller pour les affaires, mais le visa n'est pas venu. Non, même les patriarches de la Bible, quand ils avaient les promesses de Dieu, ils ne partaient pas dormir. Il dit, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il rentre dans la prière et il crie vers Dieu pour que ses cris puissent encore emmener Dieu à réaliser ses promesses. Toute prophétie doit être suivie de prière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ennemis de la prophétie. Il y a les contestations de la prophétie. C'est parce que Daniel continuait à prier que Dieu a vu que quelque chose n'allait pas. Et il envoyait un ange pour pouvoir apporter l'exaucement et libérer l'autre. Pour que la réponse vienne. Alléluia. Vous comprenez? Et ensuite, je dis quoi? Je dévance l'éveil pour méditer ta parole. Amen. Donc, c'est important de vite te connecter pour avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu avant de prier. Alors, pendant 5 à 10 minutes, nous allons voir l'exhortation du jour qui est dans le livre de Josué. Josué chapitre 6, à partir du verset 1er. J'espère que tu as tagué ton frère. Voilà, partagez pour que même quand quelqu'un dort à son réveil, parce que d'autres ne sont pas forcément fonctionnaires, mais ne travaillent pas dans une entreprise privée, certains sont à leur propre compte, donc parfois ils ne dorment pas vite et ils se donnent le temps de se réveiller à l'heure qu'ils peuvent ou veulent. Alors continue de partager massivement, continue de cliquer sur les cœurs pour que quelqu'un à son réveil, même à 6h, même à 7h, même à 8h, puisse prier. Alléluia. Il y a des gens aussi qui prient avec ces sujets-là, midi et 2, lors de leur pause au travail. Aujourd'hui, c'est la prière prophétique des déblocages. Alléluia. C'est une prière pour apporter des déblocages prophétiques dans ta vie. Amen. Josué 6, verset 1. Il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ce simple verset-là peut faire l'objet d'un séminaire d'une semaine. Jéricho était fermé. La porte de Jéricho, elle était fermée, mais elle était barricadée devant qui? Devant les enfants d'Israël. Alléluia. C'était devant les enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu sont en train de m'écouter. Pour être pratique, je ne vais pas vous faire l'histoire. Mais c'était, la Bible ne dit pas que c'était fermé devant les Amalécites. La Bible ne dit pas que c'était fermé devant les Philistins. La Bible dit que c'était fermé devant les enfants d'Israël. C'est-à-dire ceux qui étaient censés adorer, ceux qui étaient censés louer, ceux qui étaient censés servir le véritable Dieu. C'est devant eux que Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho représente ici ton travail. Jéricho représente ici tes affaires. Jéricho représente ici ton ministère. Jéricho représente ici ton mariage. Jéricho représente ici les portes internationales que tu vises. Jéricho représente ici la promotion que tu vises. Jéricho représente ici les affaires de ton époux, de ton épouse. Jéricho représente ici ta vie. Mais la Bible dit devant les enfants d'Israël, devant ceux qui servent le véritable Dieu, Jéricho était fermé et barricadé. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter à cette heure. Si tu veux être sincère avec toi, si tu veux être véritable avec toi, ta vie est fermée.
fermée. Ta vie est barricadée. Tes affaires sont fermées. Tes affaires sont barricadées. Jéricho était tellement barricadé que les enfants de Dieu ont été obligés pendant 7 jours de tourner en rond. Quand ta vie est fermée, quand une opportunité est fermée dans ta vie, tu vas constater que tu tournes en rond sans progrès. Tu tournes en rond sans avancer. Ils étaient en train de tourner en rond autour de la muraille. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Il n'y avait pas d'ouverture. Aujourd'hui, c'est ton cas. Tu es en train de tourner en rond parce que c'est fermé. Tu es en train de tourner en rond parce que c'est barré, c'est barricadé. Tu sens comme des forteresses dans ta vie. Même les promesses ne se réalisent pas. Même tes plans échouent. Tout est bloqué, les finances bloquées, les affaires bloquées, l'entreprise bloquée, tu es même sur le point de fermer, le projet de voyage que tu avais bloqué, et tous les projets de vie que tu avais sont bloqués, tu ne comprends pas, ta vie est devenue inexpliquée et inexplicable, les choses de ta vie sont bloquées, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, de quoi demain sera fait, c'était le cas de Jéricho, Dieu l'avait promis Canaan. Dieu l'avait promis le pays où coule le lait et le miel. Toi aussi, Dieu t'a promis la percée. Toi aussi, Dieu t'a promis l'élévation. Toi aussi, Dieu t'a promis la faveur. Mais le problème que tu as, c'est quoi? C'est que tout est fermé. Or, Canaan que Dieu leur a promis, pour pouvoir entrer à Canaan, la première ville qu'il fallait d'abord vaincre, alléluia, cette ville-là s'appelait Jéricho. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas posséder ta destinée si tu n'es pas encore entré par la première porte. Et Jéricho le résistait. Jéricho le bloquait. Jéricho disait non, vous n'entrez pas. Jéricho disait non, vous ne passez pas. Enfant de Dieu, beaucoup sont comme ça. Ils portent des prophéties. Dieu leur a dit que c'est eux qui vont changer l'histoire de leur famille. Dieu leur a dit, je vais t'emmener là où coule le lait et le miel. Dieu leur a montré par plusieurs prophéties, par plusieurs différents prophètes de Dieu, par plusieurs songes, par plusieurs visions, eux-mêmes ont entendu la voix de Dieu, qu'ils doivent posséder Canaan, qu'ils doivent prendre leur héritage, que c'est eux qui vont restaurer la famille, qu'ils sont des oints de Dieu, des servants de Dieu, qui vont accomplir de grandes choses dans la vie et dans le ministère. Mais ils ne comprennent pas. Au lieu maintenant de pouvoir entrer en Canaan, tout est fermé. La Bible dit c'était barré et barricadé devant les enfants de Dieu. My God, ils se demandaient, mais attends, Dieu a dit, mais pourquoi c'est fermé? Dieu a dit, mais pourquoi on tourne en rond? Dieu a dit, mais pourquoi on ne s'en sort pas? Mais la Bible dit, ils continuaient à tourner en rond dans la prière. Ils continuaient à tourner en rond dans la louange. Tu es en train de m'écouter ici. Ça fait un moment que tu es aux portes de ton Jéricho, mais tu vois que tu tournes en rond. Tu es aux portes de ton Jéricho, mais tu vois que tu ne t'en sors pas. Tu es aux portes de ton Jéricho, mais tu vois que les choses sont bloquées pour toi. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de baisser les mains. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment précieux, enfant de Dieu, de te lever. C'est le moment précieux, enfant de Dieu, de prier. C'est le moment précieux, enfant de Dieu, de faire confiance à Dieu. C'est le moment, ils ont tourné. Ils tournaient en rond, mais ils se sont dit, nous sommes des enfants d'Israël. On tourne en rond, mais nous sommes des enfants de Dieu. Tôt ou tard, la promesse de Dieu va se réaliser. Toi aussi qui es là, tu tournes en rond. Tu es enfant de Dieu, mais tu tournes en rond. Tu es enfant de Dieu, mais les affaires sont bloquées. Tu es enfant de Dieu, depuis tu attends le mariage. Tu es bellement belle, joliment jolie, mais le mariage te résiste. Alléluia. Tu es bellement belle, joliment jolie, mais aucune opportunité de dot et de fiançailles. Tu es intelligent, tu as le potentiel, mais les portes de la promotion, les portes du travail, les portes d'un salaire concret, puissant, qui peut te faire avancer, sont fermées et tu ne comprends pas ce qui se passe. Oui, devant les enfants d'Israël aussi, les portes étaient fermées. La Bible aggrave. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ça, maintenant, j'élargis ça au point de famille. Il y a des familles comme ça où personne ne sort,
personne n'entre, personne n'évolue, personne n'avance, personne ne se marie, personne n'est élevé, personne ne prospère, personne ne construit. La Bible s'était fermée, personne. Quand on dit personne, c'est que c'était personne. Personne ne pouvait entrer. Il y a des familles comme ça, personne ne peut entrer dans la faveur, personne ne peut entrer dans l'honneur, personne ne peut entrer dans la stabilité, personne ne peut connaître la percée, personne ne peut réussir pour dire qu'il va aider les autres. Personne n'entre, personne ne sort. Personne n'entre dans la bénédiction, personne ne sort de la pauvreté. Personne n'entre dans le mariage, personne ne sort du célibat. Personne n'entre pour enfanter, personne ne sort de la stérilité. La Bible dit personne n'entrait, personne ne sortait. Tout le monde était comme ça bloqué. Même place, même situation, aucune ouverture, barré et barricadé. Les historiens disent que les gens avaient bâti les murs de Jéricho de sorte que c'était d'abord haut. Et puis, comment on appelle cela? La largeur du mur était très, très élevée. Alléluia. Le mur était tellement haut que même un char, les historiens disent qu'un char pouvait rouler au-dessus du mur. Ça veut dire que l'espace, ils avaient compilé les briques, les ciments. C'était grand, on ne pouvait pas casser cela avec le marteau. Ils se sont préparés à toute éventualité et à toute attaque. Jéricho était une forteresse imprenable. Souvent, beaucoup sont comme ça. Vous êtes face à des forteresses imprenables. Des forteresses que tu ne peux pas prendre. Tes diplômes ne peuvent pas prendre. Parce que spirituellement, c'est une forteresse. Tu dis, mais j'ai tout. Pourquoi je ne peux pas? Non. Souvent, c'est une forteresse. Amen. Et la forteresse des uns n'est pas la forteresse de l'autre. Il y a des gens, le mariage chez vous, là, c'est une forteresse. Tu ne comprends pas pourquoi tu rencontres des gens mais ça ne marche pas. Parce que c'est une forteresse chez vous. Merci pour le mot, mon fils. L'épaisseur du mur, c'est le mot que je cherchais. L'épaisseur. Amen. Le mur était très épais. Une forteresse. Il y a des gens réussis, c'est une forteresse. Les finances, c'est une forteresse. Évoluer, c'est une forteresse. Et quand tu es en face d'une forteresse comme Jéricho, ta force ne peut pas. C'est pourquoi Dieu l'a dit, ne vous fatiguez pas pour prendre des dabas, pardon, des marteaux, des pioches pour dire que vous allez essayer de casser, vous allez échouer. Quand vous êtes devant des forteresses, c'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'avoir la beauté, c'est bien d'avoir des relations, c'est bien d'avoir des aides de destinée. Mais par-dessus tout, devant les forteresses, on se tourne vers le Dieu capable de renverser les forteresses. Alors Dieu l'a dit, non, ils ont demandé à Dieu, mais on fait comment? Dieu dit, il n'y a rien à faire, crier à moi seulement. Commencez à me louer, commencez à m'appeler. Parce que je siège dans la louange de mon peuple. Quand vous allez pousser les trompettes et me célébrer, moi, Dieu, je vais descendre. Mais pour le moment, pendant 7 jours, tournez en rond. Faites un tour de la ville. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour. Et faites 7 fois le tour. À la 7e fois, poussez des cris. Que les sacrificateurs sonnent la trompette. Et vous allez voir. Là où personne ne pouvait passer, vous allez passer. Là où personne ne pouvait rentrer, vous allez rentrer. Là où personne ne pouvait percer, vous allez percer. Là où personne ne pouvait voir quelque chose de grand et de fort, vous allez voir quelque chose de grand. Et ils ont commencé à pousser des cris de joie. Oh, est-ce que tu peux partager, identifier pour quelqu'un? La prière commence dans 2 minutes. Alléluia. Là, on est en train de clôturer l'exhortation. On va prier pendant 30 minutes ce matin, mais ça va suffire pour provoquer des déblocages. Il y a quelqu'un qui me suit même à la 17e minute déjà. Ton monde spirituel sera ouvert. Tes déblocages seront déjà établis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils ont poussé les cris, les murs de Jéricho, Dieu n'a pas ouvert la porte. Dieu pouvait ouvrir la porte. Il y a des moments, Dieu n'ouvre pas la porte. Dieu renverse tout. Et la porte, et les murs, et les forteresses. Et ça devient totalement prenable. Même les murailles deviennent des portes d'entrée, puisqu'il n'y a plus de murs. Si une maison, les murs sont tombés, les portes sont tombées, est-ce que tu es obligé forcément maintenant de passer par la porte? Chaque côté devient une porte ouverte. C'est ce qui s'est passé. Là où tout était dur, Dieu va pas seulement ouvrir la porte, il va briser la porte et briser les murs pour que tout en même temps soit ouvert, pour que tout en même temps s'ouvre. Parce que souvent quand c'est une porte qui est ouverte, vous êtes obligé d'entrer en file indienne et ça peut donner du retard à celui qui est derrière. Mais quand partout est ouvert, tout le monde peut entrer et c'est ce qui est sur le point de se passer dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons commencer à prier.
La première prière que tu vas faire, tu vas d'abord prier pour les déblocages spirituels dans ta vie. Écoutez-moi, hein, j'ai 5, 6 ou 7 déblocages pour lesquels on doit prier. Donc, il faut être très organisé dans ta prière. Premier déblocage spirituel. Quand l'ennemi veut te bloquer spirituellement, tu sens que tu es chrétien depuis, mais tu n'arrives pas à grandir avec Dieu. Tu ne grandis pas dans la méditation, tu ne grandis pas dans la prière, tu ne grandis pas dans le jeûne. Tu as 5 ans de conversion, mais tu es toujours un peu païen, un peu chrétien. Tu as 10 ans de conversion, mais tu sens que ta vie spirituelle, ce n'est pas ça. Tu vas prier que tout ce qui bloque ta croissance spirituelle, que cela maintenant tombe, que ta vie spirituelle soit débloquée, afin que tu sois épanoui dans ton amour avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Élève la voix, commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier. Commençons à prier. Prie, 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 prie. Prie, prie avec moi. Prie avec moi. Que ton nom soit descendu. Continue de prier, précieux enfant de Dieu. Prie encore. Prie encore, précieux enfant de Dieu. Continue de prier. Alors que tu pries, Dieu à l'œuvre. 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 Continue de prier, continue de prier. Prie des blocages d'abord sur le plan spirituel. Tout ce qui bloque ta vie spirituelle, tout ce qui bloque ta communion avec Dieu. Tu as envie de prier, tu n'arrives pas. Tu as envie de méditer, tu n'arrives pas. Tu as envie de grandir avec Dieu, tu n'arrives pas. C'est ce qu'on appelle des blocages mais spirituels. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Tu veux prier, tu n'arrives pas. Tu veux jeûner, tu n'arrives pas. Tu veux te détacher d'un péché, mais tu n'arrives pas. Tu vas abandonner certaines pratiques, certaines habitudes, mais tu n'arrives pas. Prie, 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 prie. Prie, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Tu vas abandonner certaines choses, tu ne peux pas. Tu sens que spirituellement tu es bloqué. Tu fais un pas devant, 5 pas derrière. Quand tu commences à te mettre dans la prière, après tu te décourages. Quand tu te mets dans la prière, après tu te décourages. Tu te mets dans la prière, après tu baisses les mains. Tu te mets dans la prière, après tu abandonnes. C'est une œuvre de l'ennemi. Prie, 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 prie. Shebarakonde leketonde saida brot. Tu te lèves, un moment tu es en feu avec Dieu. Après tu baisses. Un moment tu es dans prière, jeûne. Après tu baisses. Un moment tu te loignes des mauvaises choses. Après encore, tu retournes dans l'alcool. Après encore, tu retournes dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques. On veut bloquer ta vie spirituelle. Parce qu'ils savent que quand toi tu te lèves spirituellement, la famille est délivrée. Quand toi tu te lèves spirituellement, ta vie commence à marcher. Quand toi tu te lèves spirituellement, ta vie commence à progresser. Alors comment t'empêcher d'avancer? Il faut d'abord tuer ta vie spirituelle. Prie pour le déblocage de ta vie spirituelle. Prie pour que toute forteresse qui t'empêche de grandir avec Dieu. L'apôtre Jean parle de 3 niveaux de chrétiens. Il dit, je vous écris petit enfant. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. On peut être chrétien, mais être chrétien petit enfant. Après, il dit, je vous écris jeune gens, parce que vous avez vaincu le diable. On peut être chrétien parce que on peut être chrétien jeune gens. Alléluia. Tu peux être chrétien petit enfant. Tu peux être un chrétien jeune. Et puis il dit, je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc on peut avoir fait 20 ans à l'église, mais devant Dieu, tu es encore un petit enfant. On peut avoir fait 50 ans à l'église, mais devant Dieu, tu es encore jeune. Mais on peut même faire 2 ans, 3 ans, 5 ans à l'église, et devant Dieu, tu es un père. Devant Dieu, tu es une mère. Prie le Seigneur. Prie, prie, prie. Quand le diable voit que tu n'es plus loin de ta bénédiction, il va te mettre dans le découragement. Tu vas commencer à sentir la lourdeur, l'assoupissement, les raisonnements. L'ennemi va commencer à chercher à te détruire. Nous refusons cela. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Dis à Dieu, je veux croître. Je veux te connaître.
toi le seul et véritable Dieu. Je veux grandir avec toi. Je veux avoir soif de toi. Je veux. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Je veux que tu partages à nouveau, partage dans des groupes, partage sur ta plateforme pour permettre, c'est une forme d'évangélisation. Les chrétiens ont l'air de partager les buzz, les discours inutiles, les influenceurs, partager les prières et les évangélisations. Grâce à toi, quelqu'un peut être sauvé. Une dame un jour m'écrit, un homme de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Je voulais me suicider, mais j'ai une amie qui a partagé le message et quand j'écoutais le message, j'ai retrouvé la foi. En partageant, tu ne sais pas la vie de qui tu peux bénir, tu ne sais pas la vie de qui tu peux transformer. Deuxièmement, nous allons prier maintenant pour les déblocages dans le ministère. Tout le monde est ministère. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es docteur, tu es chantre, tu as un ministère d'intercession, tu as le ministère de la libéralité. Tout ça, Romains 12 dit que tout ça, c'est le ministère. Alléluia. Amen. Tu as, je ne sais pas quel type de ministère que tu as. Laissez-moi en 30 secondes vous citer un certain nombre de ministères. Parce que quand on parle du ministère, d'autres pensent qu'il s'agit seulement des pasteurs. Non, tout chrétien a un ministère. Sauf que nous n'avons pas les différents ministères. Alléluia. Amen. Il dit, Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible dit, l'apôtre Paul en train de nous enseigner ici que à l'église, là, nous avons plusieurs fonctions. Nous avons plusieurs rôles. Nous avons plusieurs places. Amen. Tu vas prier pour ton ministère. Peut-être que Dieu t'a donné un ministère de libéralité. L'ennemi attaque ton ministère pour que tu n'aies même pas les finances pour soutenir le ministère, pour faire ton ministère. Toi, c'est la miséricorde. Toi, c'est la chanson. Amen. Je connais une grande chante de Dieu qui était attaquée. Sa voix maintenant était tout en cachée. Elle ne pouvait plus chanter. Commence à prier pour ton ministère. Commence à prier. Peut-être même que tu ne connais pas ton ministère. Ça sera le bon moment pour que Dieu te permette de connaître ton ministère. Prie. Prie. Dis, mon ministère est débloqué. Tu es un pasteur, tu es en ligne. Tu sens des attaques et des blocages dans le ministère. Prie. Prie. Jéricho doit tomber. Les portes doivent s'ouvrir. Jéricho doit tomber. Prie. Brakote le meshaya darabababababa. Raya darababa. Suivez, on est chronologique. On a prié pour notre vie spirituelle. On prie maintenant pour notre ministère. Après, on va attaquer les autres domaines. Prie. Prie pour ton ministère. Tu veux servir Dieu, mais il y a comme un poids sur toi. Tu veux servir Dieu, mais il y a comme un blocage sur toi. Tu veux servir Dieu, mais il y a comme un mur qui t'empêche de servir Dieu. Tu veux servir Dieu, mais il y a une forteresse qui te tient. Il y a une forteresse qui te tient. Prie Dieu. Tu as appelé à prêcher, mais tu n'arrives pas. Tu as appelé à encadrer, tu n'arrives pas. Dieu t'a dit ton ministère, c'est l'intercession, mais tu n'arrives pas. Quand tu veux prendre les jeunes, tu es lourd, tu as faim, tu es bloqué. Quand tu veux prendre les temps de prière, tu sens un obstacle inexplicable, c'est compliqué. Non, prie, c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Les portes doivent s'ouvrir, ton ministère doit se lever. Tu dois accomplir les œuvres de Dieu pour ta vie. Tu dois accomplir les œuvres de Dieu pour ta vie. Prie, enfant de Dieu, ton ministère. Prie pour ton ministère. Prie pour ton ministère. Prie pour ton ministère. Si tu ne connais pas encore ton ministère, commence à demander à Dieu, tu m'as appelé à faire quoi dans ta maison? Est-ce que c'est prêcher? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est décorer? Est-ce que c'est évangéliser? Est-ce que c'est la libéralité? C'est-à-dire, moi, je dois soutenir, apporter les finances pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est la miséricorde? C'est-à-dire, je dois m'occuper des orphelins et des vœux. Quel est mon ministère? Montre-moi. Et que tous ceux qui bloquent mon ministère soient brisés. Que tous ceux qui bloquent mon ministère soient brisés. Afin que je sois attaché à mon ministère. Afin que je produise de grands résultats. Pas pour
ma gloire, mais pour ta gloire. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Afin qu'un jour, quand je serai au ciel, tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Bonne et fidèle servante de Dieu, entre dans la joie de ton maître. Oui, c'est ce que tu dois entendre. Prie au nom puissant de Jésus. Amen. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager, continuez de cliquer sur les cœurs. Nous allons encore prier cette fois-ci pour les déblocages sur le plan professionnel. Certains prient pour les déblocages financiers. Non, si professionnellement tu n'es pas débloqué, tu ne peux jamais avoir la stabilité financière. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui avec 1 million, avec 2 millions. Mais si tu n'as pas une source de revenus constante, continue et forte, les 2 millions là vont finir. Si l'argent sort, que ça ne rentre pas. Alors la meilleure prière, ce n'est pas le déblocage financier d'abord. Après, on va prier pour ça. C'est le déblocage professionnel. Parce que tu dois avoir quelque chose à faire qui te produit continuellement de l'argent pour t'occuper de toi, pour t'occuper de ta famille. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est biblique. Le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alors si ta main n'a pas d'œuvre, qu'est-ce que Dieu va bénir? Tu vas prier pour le déblocage professionnel. Le déblocage professionnel, c'est sur tous les plans. Ça peut être que tu as postulé quelque part. Tu vas dire, les portes du travail s'ouvrent. Ça peut être que tu veux passer un concours. Tu as déjà passé un concours. Tu vas dire déblocage. Tu travailles quelque part, mais il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de promotion. Déblocage. Tu travailles quelque part, mais tu aspires un nouveau et meilleur travail. Déblocage. Alors, toi aussi, tu peux ne pas travailler quelque part, mais tu fais le commerce. Tu vas dire déblocage. L'une de mes filles m'a appelé hier, j'étais très content. Elle fait la coiffure. Elle dit qu'elle était bloquée dans sa coiffure. Que le jour, elle a trop fait. C'est 200 000. Mais après sa prière de décembre, elle a eu un chiffre d'affaires de 1 200 000 dans sa coiffure en décembre. Et même dans ce mois de janvier, où on dit que c'est dû, ça ne marche pas, elle a fait son point et elle s'est retrouvée avec un bénéfice de 600 000. J'étais très content. Ça pour dire, même dans le commerce, Dieu peut te bénir. Dans la coiffure, Dieu peut te bénir. Il y a des gens qui ont réussi avec la couture. Peu importe le domaine tu es, commence à prier. Prie maintenant. Prie. Déblocage professionnel. Déblocage professionnel. Depuis longtemps, tu tournes en rond professionnellement. Déblocage professionnel. Déblocage professionnel. Tu travailles quelque part, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Prie pour la promotion. Prie pour la percée. Prie, même si tu travailles aussi quelque part, prie que cette année, tu crées ton entreprise. Prie, prie pour que tu aies de nouvelles portes. La Bible dit que le jardin d'Éden, il y a un fleuve qui coulait là et qui se divisait en quatre fleuves. Toute personne stable financièrement, au moins quatre sources de revenus. Prie, prie maintenant. Prie, prie, prie. Je n'entends pas quelqu'un en train de prier. Prie chez toi. Ne laisse pas le sommeil, l'assoupissement prendre avantage chez toi. Prie avec autorité et foi. Afin que, au nom puissant de Jésus, il y ait un déblocage. Professionnellement, tu as débloqué. Combien de personnes, on leur demande qu'est-ce que tu fais? Ils disent, je ne fais rien. Non, c'est un blocage spirituel. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Il y a un témoignage qui marche vers toi. Il y a un témoignage qui marche vers toi. Il y a un témoignage qui marche vers toi. Continue de prier. Continue de prier. Shabara baba 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 baba. Sondele ketorianda baba baba. Rakatoriande le bébé. Prie, 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 prie. Prie. Je veux entendre quelqu'un qui prie. Que les blocages contre toi tombent. Que les portes s'ouvrent au travail. C'est l'heure. Je sens la grâce pour une promotion. Je sens la grâce pour une nomination. Je sens la grâce pour des grands marchés. Je sens la grâce pour des grands marchés puissants. Je sens la grâce pour des grands marchés puissants. Je sens la grâce pour des grands marchés puissants. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ne te lasse pas de prier. Refuse de continuer à tourner en rond. Israël a tourné en rond pendant 7 jours. Mais après le 7e jour, les portes se sont ouvertes. Ça fait combien de temps que toi tu tournes en rond? Ce n'est pas normal. Refuse, refuse de tourner en rond. Refuse de tourner en rond. Kare bobo bo shadara baba baba. Prie, refuse de tourner en rond, refuse de tourner en rond.
refuse de tourner en rond, refuse de tourner en rond, refuse de tourner en rond, refuse, refuse. Commence à prier professionnellement. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu ne peux pas vivre en t'attendant seulement à l'aide. Tu ne peux pas vivre en t'attendant seulement à l'aide. Tu ne peux pas vivre en t'attendant seulement à l'aide. Amen. Tu ne peux pas vivre en t'attendant seulement à ce que ton mari te donne. Tu ne peux pas vivre chaque fin du mois. Il faut que quelqu'un t'aide à payer ton loyer. Il faut que quelqu'un t'aide à faire face à tes dépenses. Non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu as besoin toi-même d'avoir des sources de revenus assez fortes. Des sources de revenus assez fortes. Prie pour que tes affaires se débloquent au nom de Jésus. Je prie pour que tes affaires se débloquent au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un sujet qui est semblable à celui-là. Nous allons, parce que c'est un sujet qui dépend du sujet précédent. Nous allons prier pour les déblocages sur le plan financier. Ça veut dire, toi, tu travailles. Souvent même, on paye. J'ai prié pour une de mes filles comme ça. Elle dit, papa, toute la marchandise sort. Mais quand je fais le prêt financier, là, je ne me retrouve pas. Va prier pour les déblocages financiers. Certains sont comme ça. Certains souffrent. Hein? En démonologie, c'est pas écrit bibliquement, hein, mais c'est des exemples, c'est une image pour véhiculer un message. En démonologie, nous parlons des mains sèches. Ça veut dire que quand on dit ta main est sèche, c'est pas physiquement, c'est spirituellement, c'est comme si c'est sec. Ça veut dire, l'argent rentre pas dans tes mains. Amen. Même souvent, tu travailles, mais pour te payer, c'est difficile. Tu exerces des marchés, mais pour quand on te donne, c'est difficile. Alléluia. Hein? L'argent ne rentre pas dans ta main. Les gens te promettent, mais ils ne te donnent pas. Il y a des gens que tu connais qui peuvent t'aider. Tu as des frères, tes soeurs, quelqu'un qui peut te financer pour que tu puisses réaliser ton projet, mais ils ne te donnent pas. Ça, on appelle ça, quand on fait les délivrances, nous appelons ça les mains sèches. Alléluia. Je répète, ça peut être écrit d'un verset mains sèches. C'est une image. Je suis obligé de préciser ça parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des polémiques. Amen. J'entends quelqu'un qui dit, esprit de mains sèches n'existe pas. Non, c'est pas un esprit de mains sèches. C'est une manière de parler pour dire qu'on attaque quand l'esprit de comment dire, quand c'est un esprit qui est dans la classe des démons de mammon, quand il veut appauvrir quelqu'un. Deuxièmement, il y a ceux qui n'ont pas la main sèche, mais à ceux qui ont ce qu'on appelle la main trouée. Alléluia. Ils peuvent avoir l'argent, mais ça peut pas rester dans leurs mains. Tu vas lui donner 5 millions, tu reviens une semaine après, il n'a rien fait. Tout ce qu'il avait prévu de faire là, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Tu vois des gens qui travaillent mais qui vivent comme des chômeurs. Tu te demandes même, attends, lui-là même, il fait quoi de son argent? Tout part dans des bêtises, tout part dans l'alcool, tout part dans des dépenses. Il y a des gens, dès que l'argent tombe dans les mains, les enfants vont commencer à tomber malades. Alléluia. Dès que l'argent tombe dans les mains, quelqu'un qui est proche d'eux va être dans un problème où ils n'ont pas le choix que de l'aider. Quand l'argent va tomber dans les mains, quelqu'un va mourir. C'est lui seul qui travaille, mais c'est elle seule qui a une bonne position dans la famille. Elle est obligée de prendre en charge les funérailles. Et les 5, 10 millions qu'elle avait prévus pour commencer quelque chose là, elle ne peut plus faire parce qu'il y a un problème auquel il faut faire face. Tu vas prier pour le déblocage financier. Tu vas refuser la main sèche. Tu vas refuser la main trouée. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Ne te tais pas. Celui qui ferme sa bouche, ferme sa destinée. Celui qui se tait, laisse le diable agir. Le monde même dit que qui ne dit rien consent. Quand tu entends de dire une situation que tu ne peux pas parler, ça veut dire que tu acceptes la situation. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Déclare les déblocages dans tes finances. 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 Déclare maintenant que tes finances soient débloquées. Que tes finances soient débloquées. Je n'entends pas quelqu'un prier. Prie avec autorité et foi. Commence à déclarer que tes finances soient débloquées. Que tes finances soient débloquées. Prie. Shabadara wende l'autre. Prie. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu sens que l'argent ne reste pas. C'est comme si on souffle dans ta main, l'argent s'envole. Prie. Tu travailles depuis des années. Mais c'est comme tu ne travailles pas. Aucune économie. Aucune économie. Amen. Tu as des gens bien placés qui peuvent t'aider, mais aucune aide ne vient. Prie. Prie, c'est l'œuvre de l'ennemi. Bloquer tes finances.
prie pour les déblocages. Ceux qui sont en prière avec foi, je m'attends à Dieu pour vous cette semaine. Je m'attends à Dieu pour vous aujourd'hui, demain, d'ici vendredi 14h. Des déblocages vont se faire dans vos finances. Des déblocages vont se faire dans vos finances. Des déblocages vont se faire dans vos finances. Prie, 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 prie. Prie, déclare que tu es délivré. Délivré de la main sèche. Délivré de la main trouée. Délivré de la main sèche. Délivré de la main trouée. Souvent, quand tu n'as aucun projet majeur, l'argent vient. Mais quand tu dis tu vas envoyer ton enfant à l'étranger pour étudier, les problèmes commencent. Quand tu dis tu vas commencer à construire la maison sur ton terrain, c'est là que les problèmes commencent. Quand tu as l'argent, quand tu dis non, je vais aller acheter des habits, il n'y a pas de problème. Je vais aller acheter des sacs, il n'y a pas de problème. Je vais aller m'amuser à Sini, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu parles de réaliser ta vie, les problèmes commencent. Dès que tu parles de payer ta dîme, les problèmes commencent. Dès que tu parles de pouvoir ouvrir une entreprise, c'est là que les problèmes commencent. Comme si l'argent là te surveille. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Prions le Seigneur au nom de Jésus. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Prie au nom de Jésus. Prie afin que l'Éternel intervienne pour toi. Prie afin que Dieu se manifeste pour toi. Prie pour la délivrance de tes finances. La délivrance de tes finances. Tu as un grand appel. Tu as appelé à accomplir beaucoup de grandes choses. Tu as appelé à réaliser beaucoup de grandes choses. Tu as appelé à être un soutien fort pour l'œuvre de Dieu. Tu as appelé à bâtir des églises. Tu as appelé à aider l'orphelin et la veuve. Tu as appelé à soulever ta famille. À mettre des gens de ta famille à l'école. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu avances. Tu sens une forte attaque dans tes finances. C'est comme Pierre. Son travail de pêche était bloqué. Quand Jésus est venu, il y a eu un déblocage et il a fait une pêche abondante. Toi aussi, Dieu peut le faire dans ta vie. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Il faut continuer à prier sans te relâcher. Il nous reste seulement que quelques 10 minutes. Alléluia. Nous avons prié pour le déblocage spirituel. Nous avons prié pour le déblocage du ministère. Nous avons prié pour le déblocage professionnel. Nous avons prié pour le déblocage financier. Maintenant, on va prier pour le déblocage matrimonial. Alléluia. C'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, tout ce que Dieu créait, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Mais la première fois que Dieu va dire que quelque chose n'est pas bon, c'est devant le célibat ou alors la solitude de l'homme. Tu m'écoutes, tu es un homme, tu n'es pas encore marié. Tu vas dire que cela est débloqué au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu que tu rencontres la femme qui correspond à ta destinée. La femme avec qui vous correspondez. Tu es une femme, tu vas prier. Tu vas déclarer le déblocage. Toi-même, tu sens qu'il y a un blocage dans ce domaine, dans ta famille. Les hommes se marient, mais les femmes ne se marient pas. Celles qui ont essayé de se marier sont mortes. Celles qui ont essayé de se marier ont divorcé. Tu vas prier pour ça, le déblocage. Tu ne vas pas seulement prier pour le déblocage du mariage, mais tu vas prier pour le déblocage d'un bon mariage. Parce qu'il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas vous entendre. Vous n'avez pas la même mentalité. Vous n'avez pas la même conception de la vie. Vous n'avez pas la même conception même de tout. Alors se marier avec ce type de personne, c'est encore créer d'autres problèmes dans ta vie. Tu vas déclarer le déblocage du mariage, mais d'un bon mariage. Le déblocage du mariage, mais d'un bon mariage. Le déblocage d'un mariage épanoui. Le déblocage pour un mariage heureux, au nom de Jésus. Maintenant, toi, commencez à prier, hein, ceux qui ont déjà reçu leur part du sujet. Parce qu'il élargit, parce qu'il y a beaucoup de catégories. Maintenant, toi, tu es déjà marié, c'est pas ça ton sujet. Tu es épanoui dans ta vie, mais tu es marié, ton sujet n'est pas le mariage, mais ton sujet c'est l'épanouissement. Parce que tu es marié, mais tu n'es pas épanoui dans le foyer. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Parfois même tu penses ça au divorce. C'est une œuvre de l'ennemi. Alléluia. Tu vas prier que ton mariage soit délivré. Tu sens que la sorcellerie veut détourner ton mari, ta femme. Tu vas prier pour l'épanouissement. Commencez déjà à prier. Dès qu'elle dit ton cas, tu pries. Maintenant, le cas suivant. Je donne tous les cas pour qu'elle en prie. Tu es dans ton mariage.
Toi et ton mari, ça va. Toi et ta femme, ça va. Vous avez souvent vos petits chamaillements, mais ça va. Mais vous, votre blocage, c'est l'enfant, comme Isaac. La Bible dit, Isaac cria à l'Éternel et Dieu l'exauça. Dieu a donné des jumeaux à sa femme. Prie au nom de Jésus. Que Dieu vous visite l'enfantement. Maintenant, toi, vous êtes marié, ça va, vous avez vos enfants, mais le foyer est difficile parce qu'il n'y a pas de finances. Tu vas prier encore pour les finances, mais les finances liées au foyer. Alléluia. Liées au foyer. Les finances liées au foyer. Parce que souvent, le diable détruit un foyer en bloquant les finances. Vous êtes là, vous tournez en rond, arrivez un moment, le monsieur en a marre, il s'en va. La femme en a marre parce qu'elle ne voit pas sa vie évoluer, elle s'en va. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Même s'il y a un côté que je n'ai pas touché, mais tu sens ça dans ton esprit, prie pour ça. Il y a un côté que je n'ai pas touché, mais tu sens ça sur ce point matrimonial là. Commence à prier pour ça. Prie pour ça, 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 prie pour ça. Prie pour le déblocage dans ta vie matrimoniale. Prie pour le déblocage des finances dans ton foyer. Prie pour le déblocage, que la stérilité tombe et meure, que vous ayez des enfants comme Rachel et comme oui, Rachel et Joseph et Benjamin, comme Rebecca et Jacob et Esaü. Prie comme Anne a eu ses enfants. Prie pour le déblocage. Tu sens que ton mari s'éloigne de toi. Prie. Tu sens que quelque chose te bloque. Tu as tout pour être une épouse, mais pas d'opportunité de mariage. Prie cela. Hein, tu as tout pour être un époux, tu sens des blocages. Prie. Allez, ma sonne, bébé. Brodara la dagatora, yada ramacha, yada bababa. Je n'entends pas quelqu'un prier. Partage, pour que ceux qui vont se connecter après puissent prier. Tu sens que ce domaine-là, il y a des combats bizarres. Tu sens que ce domaine-là, quelque chose ne va pas. Tu travailles, mais ce côté-là, les autres choses, il n'y a pas de résistance. Mais ce point-là, tu sens vraiment une résistance. Prie pour ça. Prie pour ça. C'est un sujet de prière que beaucoup négligent. Mais le mariage est une institution divine. Prie pour ça. Cette année, tu dois avoir l'honneur dans ce domaine. Cette année, tu dois avoir l'honneur dans ce domaine. Cette année, Dieu doit te faire grâce. Tu es déjà marié, le mariage doit être stable, doit être béni, doit être joyeux, doit être heureux. Vous voyez que même les patriarches, les foyers des patriarches, de nos patriarches ont été attaqués. Le foyer d'Abraham a été attaqué. Il y a eu les Agar. Avant même l'Agar, Pharaon a voulu prendre sa femme. Il y a eu encore les attaques de la stérilité. Le foyer d'Abraham a eu trop d'attaques. Le foyer d'Isaac a été attaqué par la stérilité. Le foyer de Jacob a été attaqué par la polygamie et par la stérilité. Même nos patriarches, Dieu dit il est le père, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc même ceux en qui Dieu se reconnaît, le foyer est attaqué. Vous voyez comment le foyer de Lot est attaqué. Sa femme s'est retournée, ses filles ont fini par coucher avec leur père. Dans la Bible, plusieurs foyers ont été attaqués comme ça. Prie. Le foyer de David est attaqué plusieurs fois, plein de fois même, plein de fois. Prie Dieu. Tu es déjà marié, faut pas te dire que c'est fini. D'autres te disent, oh, moi aussi, je suis marié. Non! Il peut y avoir des attaques sur ton foyer. Il y a des mariés qui divorcent. Il y en a qui ne divorcent pas, ils sont là comme ça, mais ils ne s'entendent plus. Ils sont là comme ça. À cause des enfants, ils sont là comme ça pour la forme. Mais le foyer attaqué, le foyer bloqué. Prie. Il y en a qui sont sortis avant, depuis qu'ils sont mariés, tout est bloqué. Leurs affaires sont bloquées. Leurs finances sont bloquées. Prie. Prie pour le déblocage. Tu es là, tu es connecté, ton mari et toi, vous avez un projet de construire, mais c'est bloqué. Vous savez que si vous rentrez dans votre maison là, c'est un poids qui quitte le foyer, mais c'est bloqué. Priez pour ça. Prie avec foi. Toi et ton mari, vous avez un projet d'immigration. Mais il y a un blocage dessus. Les papiers sont bloqués. Prie. Tu sens que si vous y allez, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle opportunité qui commence. Il sera loin de beaucoup de choses. Vous pourrez être deux pour rebâtir avec les enfants. Prie. Tu sens que le fait que les enfants ne viennent pas là, ça trouble le foyer. Prie pour ça. Prie pour ça. Prie même pour ton mari aussi. Prie. Il y a des maris qui sont nerveux dans la maison. Vous pensez que c'est parce qu'il ne vous aime plus. Non. C'est parce que souvent il a des difficultés au travail.
Alors le diable peut vouloir détruire ton foyer en passant par le côté du travail. Un homme qui n'évolue pas, qui n'avance pas, il devient nerveux. Toutes ses finances sont bloquées là, il devient nerveux à la maison. Il vous parle, il ne lit pas, il est fâché parce qu'il est... Vous pensez qu'il vous en veut? Non, il est stressé. Il est stressé. Prie. Aujourd'hui, beaucoup de couples chrétiens divorcent. Prie. Je suis en train de vous ouvrir les portes pour que vous priez. Quand je parle comme ça, c'est pour ouvrir les portes pour que vous priez. J'ouvre les portes pour que vous priez. Priez. Prie pour ta femme, ses affaires, son commerce ne marche pas. Elle sera tout le temps nerveuse. Elle va mettre ça sur vous et les enfants parce que les affaires ne marchent pas. Et ça commence à pourrir l'atmosphère du foyer. Prie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un sujet qui ressemble à deux points que nous avons touchés, mais... J'ai à cœur par l'esprit qu'on puisse prier pour ça. On va prier pour deux sujets encore et puis on va terminer. Tu vas prier pour les déblocages en termes de réalisation. On ne vit pas pour dormir, pour manger, pour travailler, vacances, ses occupations et puis un matin on quitte la terre. Non. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Laissez-moi lire ce passage-là dans le livre de Proverbes. J'aime prier avec les Écritures. Amen. Parce que la meilleure manière de coincer Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, il est écrit. Ça veut dire que Seigneur, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi-même qui as dit. Or, la Bible dit que tu veilles sur ta parole. Amen. Pour l'accomplir. Regardez ce que l'Écriture nous enseigne dans le livre de Proverbes. Amen. Oh, laissez-moi prendre le passage, j'ai pas envie de le réciter, je vais le lire. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Voilà, Proverbe 13, verset 22. Il dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Alléluia. On vit pour deux choses. Je vais vous le dire aujourd'hui. Un, on vit pour le ciel. Alléluia. On vit pour le ciel pour qu'après notre mort, notre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais deuxième raison pour laquelle nous vivons sur la terre, nous vivons pour que après nous, nos enfants et les enfants de nos enfants n'aient pas à souffrir. Que nos enfants et les enfants de nos enfants n'aient pas à traverser tout ce que nous avons traversé parce que la vie est comme une course de relais. Tu dois faire une partie de la course pour tes enfants et leur donner pour qu'eux prennent où tu leur as donné pour aller plus loin. C'est pourquoi l'affaire des réalisations est biblique. Tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Alors prie maintenant pour le déblocage des réalisations. Cette année, tu dois avoir ton terrain. Cette année, tu dois acheter ta maison. Cette année, tu dois construire ta maison. Cette année, tu dois réaliser un immeuble. Cette année, tu dois, réaliser des choses. Tu es dans le ministère. Cette année, tu dois bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Cette année, tu dois faire des choses importantes. Élève la voix, commence à prier. Cette année, tu dois commencer une entreprise. Que demain, l'entreprise doit être tellement bénie. L'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Billon, l'entreprise qu'il dirige là, c'est son père qui avait fondé l'entreprise. Alléluia. Lui, il est venu prendre où le père avait laissé la gloire pour continuer. C'est ça que toi, tu dois faire. Tu dois bâtir une entreprise que ta fille va continuer, que tes fils vont continuer et qui vont encore produire des plus grands résultats. Tu dois pas laisser tes enfants où toi, on t'a laissé. Tu dois faire pour tes enfants plus que ce que ton père a fait pour toi. Toute la souffrance que tu as eue, c'est parce que tes parents n'avaient pas mené la gloire de la famille à un niveau. Mais toi, tu dois faire ça. Prie pour les réalisations. Cette année, tu dois acheter. Tu as déjà acheté une maison, tu dois acheter une deuxième. Tu as quatre enfants. Tu vas les laisser une maison, après ils vont se battre. Non, tu dois avoir quatre maisons. Tu dois réaliser. C'est biblique, je vous ai lu ça. Parce qu'il y a des gens qui parlent des choses matérielles, commencent à dire c'est la terre. Non, la Bible dit celui qui n'a pas soin, 1 Timothée 5:13. Celui qui n'a pas, 1 Timothée 5, 7:13, donc voilà. Que celui qui n'a pas soin des siens, là, et surtout de ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle.
Il y a ceux qui aiment tout spiritualiser. Alors que la meilleure spiritualité, c'est de suivre la parole de Dieu. Prie. Rakotara bababa. Non, 1 Timothée 5, verset 8. Pas 13, j'avais dit 13, excusez-moi. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc être spirituel, c'est être capable de prendre soin de ta famille. C'est être capable de réaliser pour que demain tes enfants ne commencent pas dans la vallée, qu'ils commencent dans la montagne. Qu'ils commencent déjà avec des acquis. Et eux aussi, Dieu va leur donner la sagesse de pouvoir monter ça, de pouvoir fructifier cela pour eux aussi, leurs enfants. Prie le Seigneur. Année de réalisation. Prie les déblocages en termes de réalisation. Tu as commencé à construire depuis, c'est inachevé. Cette année, ça doit être achevé. Tu as acheté un terrain, il y a des problèmes. Je déclare, le problème est terminé aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as la victoire. Ah, tu dois réaliser. Tu dois plus dormir. Tu dois plus te lever. Chaque matin au chantier, réaliser. Chaque week-end au chantier, réaliser. Tu dois prendre soin des siens, des tiens. Prie. Shabotara bababa. Razoke lebelebele. Kinto raya on the way to praise. Wando lure kenda laude nchaida bahanda. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant déblocage dans tes réalisations. Amen. La dernière prière, il est déjà 6h05, 3 minutes à ma montre. La dernière prière, nous allons nous séparer. Tu vas prier pour le déblocage de ta famille. Papa David Oyedepo a dit, si tu prends un riche, que tu le mets au milieu de 6 pauvres, bientôt tu auras 7 pauvres. Mais si tu prends un pauvre, que tu le mets au milieu de 6 riches, bientôt tu auras 7 riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu pries pour que toi seul ta vie se débloque, c'est toi seul qui est l'icône, la bénédiction de la famille. C'est bon, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tout le monde va commencer à te presser, surtout en Afrique ici. Tout le monde va commencer à te presser. Pourquoi beaucoup de footballeurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui ont réussi sont aujourd'hui pauvres? Parce qu'ils portaient à eux seuls 90 personnes. Ils portaient à eux seuls un village. Ils portaient à eux seuls toute une famille. Fallait aider le frère, la soeur, le cousin. Parce qu'en Afrique, quand tu fais pas ça, tu es mauvais. Pourquoi d'autres même sont en Europe, ils s'en sortent pas? Parce que les petits 2000 euros, les petits 2500 euros qu'il a par mois, il doit envoyer à maman ici. Il doit envoyer au petit frère. Il doit envoyer au papa. Il doit envoyer au cousin. Hein? Donc lui-même, il est là-bas pendant des années, il ne peut rien réaliser parce qu'il a trop de poids. C'est pourquoi tu vas prier pour le déblocage de ta famille. Il faut que tes frères soient débloqués, il faut que chacun soit bien dans son coin pour réaliser sa vie et que tout ne tourne pas autour d'une seule personne. C'est une malédiction pour une famille quand une seule personne a réussi. Sa vie devient un problème. Souvent, la famille paye sur lui, dit qu'il ne peut rien réaliser, il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Non, chacun n'a qu'à être débloqué. Commence à prier pour tes frères, pour tes soeurs, qu'il y ait un déblocage dans ta famille. C'est une malédiction que d'avoir un immeuble dans un village où toutes les maisons autour de toi sont en case. Non. Prie pour ta famille. Que toute ta famille soit débloquée. Si ta famille est débloquée, c'est pas pour eux seulement, c'est pour ton bien. À te libérer aussi des pressions, des demandes, du poids tous les jours. Donne, envoie. Prie que ta famille soit débloquée au nom de Jésus. Qu'il y ait un déblocage pour tes frères, un déblocage pour tes soeurs. Que chacun ait un travail, chacun ait un emploi, que chacun ait une activité, que chacun prospère. Prie pour ça. Le jour à funérailles, ce n'est pas toi seul qui va porter. Chacun peut envoyer un peu, puis en faire. N'est pas obligé de t'appauvrir quand il y a un événement dans la famille. Parce que vous êtes plusieurs qui avez quand même des ressources. Chacun peut faire ensemble. Et quand vous êtes venus financièrement, vous pouvez vous mettre ensemble pour construire une maison pour la famille, pour réaliser quelque chose pour la famille. Mais quand tu es seul, tu vas voir comment tu es troublé à gauche, à droite. Prie. Prie au nom de Jésus. Déblocage de ta famille.
déblocage de ta famille, déblocage pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille, ton frère qui tourne en rond, ta soeur qui tourne en rond, prie. Prie même pour ton frère qui est en Europe, ta soeur qui est en Europe, ton frère, ta soeur qui est au Canada, aux États-Unis. Dis à Dieu de l'ouvrir les portes là-bas. Dis à Dieu de l'aider. Amen. Prie. Élargis maintenant la prière à toute personne qui t'aide. Faut être reconnaissant dans la prière. Prie maintenant pour toute personne qui t'aide. Même si la personne n'est pas de ta famille, tu es un bon mari, toujours t'aide quand tu as besoin de quelque chose. Commence à prier que Dieu le bénisse, que Dieu débloque tout dans sa vie. Tu es un frère en Europe, aux États-Unis, malgré le peu qu'il a, mais il vous aide. Commence à prier pour lui, prie pour lui. Tu as un ami, chaque fois qu'il peut, il t'aide, même si c'est une seule fois qu'il t'a aidé. Commence à prier. Faut pas être comme les sorciers africains. Tu vas les aider tous les jours. Le jour où tu dis qu'il n'a pas, là, il commence à dire que tu es mauvais. Non. Quand quelqu'un t'aide, il t'aide une fois, deux fois. Prie, commence à prier pour la personne. Tu es un frère même à Abidjan ici. Tu es un frère au Cameroun. Tu es un frère dans le pays où tu es. Il essaie de te donner 10 000. Il essaie quand même. Il n'est pas obligé. Il peut dire que je n'ai pas. Prie que Dieu le visite. Ça veut dire que la personne a déjà un bon cœur. Demande à Dieu de le bénir plus, de débloquer son travail. Un nouveau travail de gloire, un travail d'honneur, un travail de faveur. Demande à Dieu de descendre sur sa vie. Demande à Dieu de descendre sur sa vie. Demande à Dieu de descendre sur sa vie. Prie. Tu as un enfant qui est footballeur. Prie que Dieu débloque sa carrière. Déblocage dans sa carrière. Qu'il rentre dans des grands clubs. Dans des grands clubs. Tu es un enfant, tu es un frère, tu es une soeur qui est artiste, prie pour sa carrière, qu'il soit élevé dans sa carrière. Tu as quelqu'un qui travaille dans une banque, prie pour la promotion, prie pour ta famille, prie pour la famille. Surtout quand quelqu'un est bon, prie pour lui, parce que sa bénédiction, là, il peut se souvenir de toi aussi. Sa bénédiction est ta bénédiction, la bénédiction de ton mari est ta bénédiction. Il y a des frères, leur bénédiction, c'est ta bénédiction. Il y a des sœurs, leur bénédiction, c'est ta bénédiction. Prie. Je connais des gens, dès qu'ils sont sortis en Europe, ils ont fait venir leurs frères, ils ont fait venir leurs sœurs. Prie que Dieu bénisse ton frère là. Que Dieu bénisse ta sœur là. Que Dieu te fasse du bien. Je connais un frère, quand il a eu son avec ça comment, c'est rappel, non? Oui, il a dit à sa sœur, moi, il travaille déjà. Toi, tiens, fais un commerce. Il y a des gens comme ça, quand ils sont bénis, c'est toi qui es béni. Demande à Dieu de les bénir. Commence à prier pour terminer pour la personne la plus élevée de ta famille. C'est pas concours. C'est ta famille. Prie que Dieu l'élève encore. Il y a des gens là, c'est eux qui sont Joseph. Mais c'est Joseph qui va nous emmener, nous tous là, à Goshen. C'est pas jalousie. C'est Joseph là qui va nous faire manger la richesse de l'Égypte. C'est pas jalousie. Alléluia. C'est pas jalousie. Commence à prier. Prie maintenant. Que Dieu bénisse votre Joseph. Ça peut être toi le Joseph. Dans la famille aussi, tu peux ne pas être le Joseph. Tu peux être le Judas. Mais il n'y a pas concours. Tu peux être le Issachar. Chacun avait son don. C'est eux qui ne savaient pas. Ils persécutaient Joseph. Joseph avait le don de la percée financière. Issachar avait le don prophétique du discernement des temps. Judas avait le don de la royauté. Asser avait le don de la cuisine, des restaurants. Alléluia. Chacun avait sa grâce. Prie Dieu. Celui qui est dans votre famille, là, qui travaille, qui aide tout le monde, prie Dieu. Dis à Dieu, il ne faut pas qu'il tombe. C'est le sorcier qui cherche à tuer le plus riche de la famille pour que toute la famille souffre. Mais le chrétien cherche à bénir le plus riche de la famille pour qu'il aide les autres membres de la famille à avancer et à monter. Prie Dieu. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur qui a exaucé en ce jour précieux tous nos sujets de prière. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à remercier Dieu. Désolé, nous avons débordé de plus de 10 minutes aujourd'hui, mais c'était l'inspiration de la prière. Commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour l'exaucement. Remercie le Seigneur pour l'exaucement. Remercie le Seigneur. Restez connectés jusqu'à ce que je fasse la dernière prière ou je donne la dernière annonce. Oh, remercie le Seigneur. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je veux donner deux ou trois instructions importantes. La première, beaucoup viennent suivre les directs, mais ils ne sont pas encore abonnés à la page. Il faut t'abonner à la page, il faut commenter les choses de la page pour que tu puisses avoir les notifications. Là, chaque fois qu'on est en ligne, tu n'as plus besoin que quelqu'un te tague d'abord ou même que quelqu'un te partage directement. Facebook va te signaler
que le prophète Francis Monet est en ligne. Alléluia. Alors, ce que tu vas faire, tu vas sortir tout à l'heure de la vidéo. Alléluia. Et puis, tu vas sur la page en haut. Il y a un côté, c'est écrit « J'aime ». Tu appuies sur « J'aime ». Alléluia. Voilà, tu appuies sur « J'aime ». Si tu as déjà aimé, alléluia, tu appuies sur « J'aime ». Et puis, voilà, tu peux même appuyer sur « Favoris » pour que tu puisses voir tout ce que nous allons faire et dire. Parce que certains viennent en retard parce qu'ils n'ont pas l'information. La deuxième chose, tous ceux qui ont à cœur de faire une offrande, il y a des personnes, Dieu met à cœur après une telle prière pour le déblocage de faire une offrande. Au-dessus de la vidéo, j'ai mis les numéros. Alléluia, où tu peux faire Orange Money, MTN Money, Wave. Voilà, plus 225-07-57-31-54-09. Ou alors le plus 225-05-46-42-24-34. Ceux qui sont à l'extérieur et qui n'arrivent pas à faire l'offrande directement, vous pouvez nous envoyer un message à ces deux numéros-là. Nous allons vous envoyer le nom d'un de nos pasteurs. Le nom c'est Kofi, le prénom c'est Kofi Mac Philemon. Vous allez pouvoir aussi faire le transfert, l'Orange Money, comment on appelle cela, Western, Ria, MoneyGram, selon que Dieu vous met à cœur. Mais je répète toujours, ce n'est pas volontaire et ce n'est pas obligatoire, c'est libre et volontaire, selon que Dieu te met à cœur. La dernière information ce soir, nous avons la prière. La canne, d'accord, mais Jésus d'abord. Ce soir, ça sera une grande épreuve pour nous tous. Alléluia, parce que nous aimons tellement notre pays. Et ce soir, notre pays est dans la joue la demi-finale de la CAN. Alléluia. Voilà, pour laisser le match là, pour venir suivre Jésus. D'ailleurs, même toi, tu ne dois pas regarder, parce que toi-même, tu as attention. N'arrive même pas à regarder un match qui est sous pression. Tu cries quand tu veux tomber. Viens à l'église prier. Quand on va finir, tu vas aller regarder la deuxième mi-temps. Ou alors, tu vas même attendre d'avoir le résultat et puis tu vas regarder la rediffusion. Donc, tout le monde au culte ce soir. Que Dieu bénisse le Congo. Le Congo en train de mettre devant Dieu la miséricorde pour nous battre. Soit de parler fort fort de leur génocide qui dure depuis des années. Je ne sais pas pourquoi c'est dans la semaine où on joue contre eux qu'ils commencent à parler de ça. Ce sont des choses qui attirent souvent la miséricorde de Dieu. Mais nous, on prie que Dieu donne la paix au Congo et la coupe à la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, ça c'était un peu la déclaration patriotique. Que Dieu bénisse tous nos frères qui nous suivent. C'est quand nous on joue contre eux, ils commencent à montrer comment on les tue, ils commencent à montrer les drapeaux. Hey, ils vont faire Dieu va dire bonjour, va pitcher d'eux. Alléluia. Le bon spirituel fonctionne aussi parfois beaucoup dans la miséricorde. Mais que Dieu donne la paix. Le Congo n'a pas besoin de la coupe. Le Congo a besoin de la paix. Nous, on a besoin de la joie. Que l'année qui vient, ils vont prendre. Mais quand ils vont gagner, ils vont prendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, soyons quittes ce soir. Ce soir, c'est à la cité de gloire. Je suis en train de parler des 12 raisons pour lesquelles Dieu veut te donner un grand témoignage dans ce mois. Alors, que Dieu bénisse tout le monde. Et on se voit ce soir à partir de 18h à la cité de gloire, de 18h à 21h. Soyons tous présents. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu garde vos familles, que Dieu garde vos maisons. Je crois que tout est dit, j'ai rien oublié. Quelqu'un m'a demandé, non, les réceptions n'ont pas encore commencé. Amen, les réceptions n'ont pas encore commencé. Parce que moi-même, je suis là, mais en même temps, je suis en retraite aussi. Alléluia. Mais les retraites vont commencer bientôt. Alléluia. Oui, mon fils Thierry, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de coupe. La coupe ne va pas mettre fin aux attaques dans l'est du Congo. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de la paix. Que Dieu leur donne la paix au nom de Jésus. Nous, Dieu va nous donner la coupe. Voilà. Bye bye. Bonne journée. Que la grâce et la faveur de Dieu veillent sur vous. Que votre journée soit bénie. Vous connaissez maintenant le verset que je vous donne. Hein? Notre verset, c'est Psaume 118. Psaume 118, tous les jours, tu déclares ça avant de sortir. J'ai dit ça hier, non? Voilà, Psaume 118. Chaque matin, tu déclares ça et puis tu pars. Psaume 118. Ceux qui aiment vite se déconnecter là, vous ne savez pas, même à la dernière minute, je peux toujours dire quelque chose qui sera en bénédiction pour ta vie. Amen. Ça, c'est un des versets que je récite chaque matin. C'est un secret puissant que je vous donne. Psaume 118, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite.
qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, 5h à 6h, Côte d'Ivoire. Europe, 1h de plus. Afrique centrale, 1h de plus. Bye bye, au revoir.